Et salut à tous et à tous les amis, c'est Empereur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Eivor dans l'âge d'or des Vikings. Et les amis, on continue le premier des DLC, la colère des druides, qui est en fait est le deuxième parce que j'ai un peu merdé et que j'ai inversé, mais bon. Est-ce gênant? Je dirais que non. Alors, on va m'entendre dans deux fois. Hop, c'est pas gênant. Je fais juste un léger petit détail. On appelle ça la classico dans le secteur. Pourquoi je fais des trucs comme ça, je m'en fous, tac. Toc, toc. Ok. Je suis tout à vous, les amis. Bon. J'espère que vous allez bien. Et surtout à vous, hein, évidemment, la team replay qui regarderait ça via YouTube dans quelques semaines. Hein. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Empereur Gluin 52 tout en minuscule. Pour la colère des druides et même pour les lives en général. Parce que désormais, tous les lives se passent sur Twitch. Et les amis, petite information, si vous voyez que j'ai quelques soucis de manette, faut savoir que j'ai 4 manettes généralement de PlayStation. Une est indisponible et c'est celle qui fonctionne bien. Et la deuxième qui fonctionne bien est aussi indisponible, mais pour des raisons qu'on est en train de recharger. Donc du coup ça fait que j'ai une manette qui bug un petit peu. Donc on va essayer de se débrouiller avec cette manette là ce soir. Et ça devrait aller mieux lors du prochain live lorsque j'aurai trouvé une solution pour corriger le problème que j'ai avec une de mes manettes de PlayStation. Allez, c'est parti les amis. On va tâcher pas de finir la colère des druides ce soir, parce que je pense que ça sera pas la fin, mais on va la poursuivre. Okay. Comment je monte là-haut? J'ai besoin de ta vue, mon ami. On va continuer tout droit, à mon avis, le chemin va nous être vite montré. Ou pas. Ouais. Ah, c'est là. Je crois, non? C'est peut-être un peu plus là-haut, j'en sais rien. Je sais même pas comment on grimpe ici en fait. On va grimper un peu à l'arrache. Ma mère, par où on grimpe cette saloperie? Ça commence bien. Ah oui, c'est le même truc que tout à l'heure. Oh ouais, je suis un connard. En fait, non, faut que je passe par là-haut. Je me fais chier pour rien, en fait. Bon, ça commence bien. Bon, en attendant, personne n'est encore là, donc... Pour l'instant, je parle qu'à vous, la team replay. J'espère que vous serez nombreux. Pour l'instant, je vais attendre tranquillement les gens. C'est la merde, ce truc à grimper, je vous le dis, moi. Bon, on s'était bien amusé hein, lors du dernier épisode, je sais pas si vous vous rappelez, avec notamment les druides, la druidesse, comment elle s'appelait déjà? Alors je retiens pas la mémoire des noms, hein. Enfin, j'ai la mémoire des noms mais seulement après l'avoir entendu énormément de fois. Bon, je vais la patte parce que j'y arriverai jamais sinon, hein. Je pense... Quand je regarde les objectifs qui me restent aussi à faire dans ce DLC, il faut que je remonte à l'autorité de Dublin.
Mais ça, c'est pas le passionnant. Et pour l'instant, on n'est pas vraiment retourné non plus à Dublin, donc. Ah bah voilà la route. Ok, alors on va juste faire un petit coup d'œil vite fait aux objectifs qu'il nous reste à faire en cette Irlande. Alors, reporter la renommée de Dublin 2, commencer, commercer en lien avec Hazard permet d'étendre l'influence de Dublin, collecter tous les fragments d'ambre, donc c'est tuer tous les membres pour l'instant des druides, et trouver et vaincre les druides restants. Les Trings, c'est les guerriers d'Écosse, vikings, vieux guerriers qui nous permet d'assembler la tenue qui est la tenue de combattants, je sais plus quoi, de champions de Dublin. Ok, bah écoutez, les amis, je pense qu'on a attendu assez longtemps. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je dois vous remercier, Tiara et toi, d'avoir soigné mes hommes. Même si la source de ce remède me met mal à l'aise. Les druides ne sont pas tous tes ennemis. Seuls les enfants de Danu s'en sont pris à toi. Tiara m'a parlé de cette secte de druides. S'ils agissent dans l'ombre, ils ne doivent pas être dangereux. Peut-être ne cherchaient-ils qu'à semer le doute chez leurs ennemis, et les amis de leurs ennemis. Je regrette ma méfiance initiale. Mais j'ai vu tant de sang irlandais couler du fait des Danois que j'accorde difficilement ma confiance. Je sais ce qu'est le lien du sang, Seigneur. Son éclat est tel qu'il peut être aveuglant. Eh bien, mon roi, si l'objectif était Lac, comment comptes-tu le prendre? Son fort circulaire est le plus solide de la contrée. Mais les rois des Lacs restent à l'extérieur, une folie qui les laisse vulnérables. Cela reste néanmoins une longue marche en terrain incertain. Ton armée sera exposée à des forces inconnues. L'abbé Hogan a mis à disposition des terres où camper à Clogger. De là, nous marcherons sur Elak. Ceci vient d'arriver. Les rois d'Elak veulent des pourparlers de paix. Se rendraient-ils avant que l'on foule leurs terres? J'en connais qui préféreraient la mort à une telle réputation. Je n'aime pas ça. Les phrases sont vagues, demandent beaucoup tout en promettant peu. Mais quel mal y a-t-il à les entendre? Si nous optons pour l'épée, il ne nous restera guère de choix. Ils me connaissent et m'écouteront. Tu irais parler en mon nom. Si jamais tu m'honores de ta confiance. As-tu un avis, Eivor? Ou te ranges-tu à l'avis de ton cousin? Ce n'est pas à moi de décider, Seigneur. Il y a trop en jeu, comme en équilibre sur la lame de Skuld. Ainsi, tu laisserais le sort en décider, et tu préfères dériver sur le fleuve telle une feuille. Ma vie n'a été que combat, complot et intrigue. Je n'ai jamais profité de la confiance d'un frère, et j'accorde difficilement la mienne. Barid MacIner, roi de Dublin. Moi, Flann, grand roi d'Irlande et de ceux qui y vivent, je t'autorise à parler en mon nom. Je ferai honneur à la confiance que tu places en moi, mon roi. Acceptes-tu que j'accompagne Barid, roi Flann? Je ne perdrai pas mon temps en formalité, Eivor.
Mais tu ne t'y rendras pas avec Barid. J'ai besoin de toi ailleurs. Et où cela ? Tu dois améliorer les relations avec les Winail du Nord comme tu l'as fait pour d'autres royaumes. Kiara te fournira les détails aux pigeonniers. Je les rallierai, Seigneur, en remerciement de la confiance que tu accordes à mon cousin. Ok. Allez, pigeonnier. Du sang pour Odin. Voilà. C'était compliqué. Alors, le pigeonnier, nous disions. On va accepter les quêtes, les amis. Et je pense qu'on va faire coup double, c'est-à-dire qu'on va faire les quêtes. Et en plus de cela, en plus des quêtes, on va traquer les druides. Ça me paraît être une bonne idée. Un bon plan. Parce qu'on a forcément des indices sur certains druides. Ah bah là, côté... qu'on peut lui parler. Ah, visiblement, non, elle ne veut pas nous parler. Ok. Alors, les quêtes. Ne vous faites pas détecter, ne subissez aucun dégât, récupérez le joyau royal. Ne vous faites pas attaquer, vrai campement, ne subissez aucun dégât, pas de mort inutile. Ok. Et où sont ces quêtes ? Ah ouais, c'est dans le territoire du haut, putain, c'est la merde. Et ça c'est quoi ? Élimination. On a un monastère à piller. Ouais, donc c'est le dernier territoire, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. Hein. Ok, donc tout en haut, tout en haut. Ok, ok. Comment je m'organise ? Au niveau de l'ordre, qu'est-ce qu'on sait ? Le cerf. On va bien dans le lutteur, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on peut déjà traquer ce membre-là. Alors, le cerf. Examinez le comptoir marchand d'Armen dans l'est de lutteur. Lookbank. Alors celui-là, il fera qu'on fouille un peu la map pour voir. Lui, on oublie parce qu'il n'est pas sur notre chemin. Et de toute façon, le chêne... il faut attendre. Donc on a potentiellement un indice sur les druides sur le chemin. Donc on va prendre une mission. Laquelle on va prendre? En vrai, je serais presque tenté de prendre celle-là. Nettoyer le camp avec mon navire. Attaquer le monastère. On va bien voir. On va s'organiser. On va essayer de s'organiser, les amis. Et une fois ces trois missions-là, je pense qu'on attaquera le siège. Donc, c'est, je sais plus à quel moment précisément là, on va continuer, entre guillemets, la traque des druides. On verra bien. Je vais essayer de m'organiser comme ça. Et on verra ce qui se passera. Bonsoir à toi, Saint-Bernard. Comment vas-tu ? Ouais, ça me paraît bien. On va faire ça. On va faire les trois missions. On va essayer de piller un monastère. On va essayer de retrouver des indices sur les druides aussi. Bref, on a un peu de boulot, mais ça va être du boulot pas forcément le plus folichon malheureusement, mais ça fait partie du jeu. Au fil des flots. Ok, ok. Il faudra aussi à un moment donné que... Oh ! Oh la vache ! Joli arc-en-ciel. Je savais pas qu'il y avait des arc-en-ciel dans le jeu. Je crois que dans tous les sens de jeu, j'en ai pas vu un en fait. C'est la première fois que j'en vois... Enfin, si on oublie évidemment Asgard. Forcément avec le pont arc-en-ciel. Mais un arc-en-ciel, c'est rare cette licence de jeu.
C'est sympa d'avoir pensé à en mettre un. Bon, allez. On est parti, les amis. Je vais vous laisser, évidemment, les chants. C'est comment pour mettre la voile, déjà? Ouais, c'est quoi? Bifrost, le nom du pont. Ouais, ouais, je sais. Bah après, moi, j'aime bien le pont arc-en-ciel, le Saint-Bernard. Mais ouais, je savais que c'était le Bifrost. Enfin, le Bifrost, c'est pas la tour. Non, c'est aussi le pont. Là que j'ai un doute. Ouais, ça doit être ça, je pense. Ok, ok. Ah, je sais qui me dérange. Il n'y a que moi qui est harcelé par ces messages Facebook de faux comptes là. Parce que putain la vache. Mais merde. Bon bah ne vous faites pas détecter, ça commence bien. Bon bah c'est foiré. Putain j'ai pas vu venir l'autre en haut là. Allez, tombe-toi. Si je m'avais pas fait caler par les deux là, j'avais réussi la tolérance royale. Après, je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose de différent ce truc. Tant que c'est pas échec mission, c'est bon. Hein. Ok, donc ça c'est fait. Une première mission de réussite, il nous en restera encore deux. Moi j'ai pas Facebook donc je suis pas harcelé. Ok. Bah écoute. D'un autre côté j'ai presque envie de te dire tant mieux parce que Facebook c'est devenu pas grand chose intéressant. En vrai de vrai. Je pense que maintenant Twitter, Instagram, TikTok sont quand même beaucoup plus à la mode. Facebook malheureusement je pense que c'est un peu compliqué pour lui entre guillemets. Bon, moi je poste un petit. Je poste souvent seulement quand je vais au cinéma sur Facebook. Alors, tac, du coup la deuxième elle est là, je crois. Oh, en fait, elles sont tous sur le long de la côte en fait. C'est intéressant ça. Ah, du coup, je vais peut-être pas piller le monastère tout de suite en vrai de vrai. Je pense qu'on le pillera un peu plus tard. C'est pas. Même si je le pille hors caméra, c'est pas gênant. Parce que là en vrai, si tout est sur le chemin, par contre, j'oublie un trésor. Attends, il est dans l'eau. Ah non, il est sur le garde. Ok.
J'allais dire, attends, il y a un trésor dans l'eau, c'est rare dans ce... Richesse collectée, ok. Non, c'est juste que c'est lui qui l'avait. Ok, c'est parti. Ouais, donc du coup, ça... Ouais, donc ma stratégie est totalement à la con, en fait. Donc du coup, on va pas piller le monastère, ça sert à rien. On va juste se contenter de... J'allais passer entre les rochers là, mais ça n'a pas l'air d'être une bonne idée. Donc c'est long de la côte, bon, on va prendre notre navire et puis on va faire ça pour les trois trucs. Hein. En vrai, non, on va pas se faire chier. Hein. Hissez la voile, ça y est ! Allez, chanson. Ok, c'est sur l'île. Ne subissez aucun dégât, pas de mort inutile. Ok. On attaquera à vue par ici. Déjà, j'aimerais bien savoir ce qu'il m'a détecté. Non, lâche-le. Ah bah voilà le troisième, parfait. Toi, je peux pas te tuer. Sinon, j'ai pas la tolérance. Ah mais mon équipage va lui tirer dessus par contre. Shit. Ah, ne subissez aucun dommage. Ouais, c'est chaud, hein. Ah, il a pas considéré mon dommage, je crois. J'ai de la chance. Ouais, comme mon équipage quand tu veux tirer dessus. Hein. Faut qu'il se casse vite. Hein. Ah, c'est chiant ce genre de synchronisation totale. Là, j'ai l'impression de revenir sur... sur le Brotherhood et sur... le 2. Ah. Il a bientôt lâché prise. T'es obligé de se cacher, c'est chiant. On va confirmer la mort des deux là et puis ça sera bon. Il nous restera encore un truc à faire. Et je reviendrai chercher le morceau d'armure après. Hein. À mon avis, c'est encore une des morceaux du champion d'Irlande, mais. Après, il est encore là, hein. Il guette hein, l'enfoiré. Hein. Cette manette qui bug. Moi ouais, j'utilise la manette qui bug hein. Parce que le... Mes deux autres manettes qui bug pas. Une et une est en train de recharger. La deuxième j'arrive plus à la connecter. Depuis que j'étais chez un pote, je joue à sa PS5, j'arrive plus à reconnecter ma foutue manette de PS4 à ma box. Ouais bon, pour l'instant on va se mettre ailleurs. Parce que là s'ils commencent à tous se pointer en mode il y a eu un meurtre, on n'a pas fini.
ne pas dégager l'autre. Putain, le casse-couille. Oh, fais chier cette manette de PlayStation qui bug. Non. Voilà, les amis, je vais juste changer de manette de PlayStation parce que là, j'en peux plus. Donc, ça coupera pas le live, c'est juste que vous allez pas m'entendre pendant un petit temps. À tout de suite. Re. Bon. Est-ce que je peux confirmer la mort ? L'endroit est très bien gardé. Sans me faire caler. Ah, il est malin l'autre, hein. Heureux. Je crois qu'il se barre. Maintenant on se casse vite. Voilà. Parfait. Là je suis full. J'en ai presque terminé. On remarche rien avec un dracard, c'est chaud, hein. Allez. Alors, le dernier, il est encore un peu plus haut. Il est là. Ne vous faites pas détecter, ne subissez aucun dégât. Ok. Mais là, je peux éradiquer tout le monde, donc c'est bon. Récupérer les joyaux royaux. Ok, donc c'est même pas une mission de tuer quelqu'un, c'est une mission de récupération. Bon, comment s'est passée ta journée, le Saint-Bernard ? C'est passé tranquillement, normalement. J'ai enfin la fibre, mais pour être honnête, pour le moment, je vois pas la différence. Ah, ok. Écoute, moi, j'ai pas envie de te mentir, j'ai vu beaucoup de différences, mais j'avais un réseau de merde. Hein. Avant, c'était... Enfin, tu te rends pas compte quand t'as pas connu de meilleure connexion. Quand tu connais mieux maintenant, effectivement, hein, là, pour le coup, la fibre, ça change tout, hein. Ben, c'est que t'avais déjà une bonne connexion à internet, de base. Sinon, je pense que t'aurais vu la différence. Montre-moi ces terres, mon ami. Ouais, ça doit être le camp là, non? Ouais.
C'est quoi, c'est une baraque ça? C'est un bateau qui s'est fait... Ah ouais, je l'ai pris cher le bateau. Pas un trésor dans le coin là? Bizarre. Je dois redoubler de prudence par ici. Ah oui, je me confonds toujours, c'est pas un truc à bascule ça. Non, ce que j'entends par là, c'est que pour le moment, le seul truc que j'ai pu faire depuis que j'ai la fibre, c'est de venir sur ton live. Et comme de temps en temps, le live me charge dans le vide, comme ça m'arrivait déjà avant, je vois pas la différence. Sans doute que je la verrai plus tard, mais pour le moment, ça change pas ma vie. Ok. Je comprends mieux. Lui. Parce qu'il y en a qui m'emmerde, c'est surtout celui qui était là-haut, là, parce que lui, il pourrait plus me faire détecter. Celui qui est là-haut. Il a bougé, non? Bon, les rats, hein. On connaît la classique, hein. Voilà, il y en a un autre qui va y aller. Vide le camp et ensuite on récupère tout ce qu'il y a à récupérer dans le coin. Il n'y a rien ici. Mais non, mais d'où il m'a détecté? Ah, c'est l'autre. Ah, ok, non, j'ai rien dit. C'en est un autre. My bad. Je me suis dit, attends, l'autre, il peut pas me détecter. Non, c'en est un autre. Bon, bah, tant pis. Quelle nouvelle richesse. Il ne reste plus qu'à partir. Allez bien. Ah, ouais. Ah, on va manger ta mort, va. T'es à côté.
Bon, j'en ai que la moitié de celui-là. Donc un full, un à la moitié et un walk, hein. Donc c'est plutôt moyen. Puisses-tu festoyer au Valhalla ? Ça fait toujours un peu d'XP en plus. Lettre à une fille du Nord. Tora, je pars au Nord chercher des terres au-delà du Snellan. Je vais suivre le trajet de Nanod et chercher des signes des moines auxquels on donne un nom étrange. Certains disent que je ne trouverai rien d'autre, que je verrai le Bifrost. Je vais me rendre compte par moi-même. Le bouquet de ton cœur, Gaïda. Bonsoir à toi, Meta, comment vas-tu? Ça c'est loin. Bon, on a fini, hein? On a fini. Il en reste un trésor, mais ouais, c'est pas important, on va le laisser. C'est pas les plus gros trésors, je pense. Eh ben, ça, une bonne chose de faite. Bah écoute, je vais bien, Meta. Et toi? Malin haine. Ok, c'est pas ce que je cherche. Ça, c'est fait. Level up. Level up. C'est ouf. La mission. Oh, ils sont casse-couilles. Là, c'est quoi? Trouver le comptoir marchand. Ah, on a ça à faire. Est-ce que je rentrerai pas par les terres? Là, en vrai, frère, je vais prendre mon dracar, je pense, je vais faire le tour, je vais passer par là. Et en fait, je vais m'arrêter près du pont, ici. Et comme ça, je pourrais faire l'un et l'autre par la suite. Ça me paraît bien. On va faire ça. Comment s'est passée ta journée, Meta? Qui c'est qui me harcèle, là? C'est pas ça. Oh bah tiens, Voice of Skarn, épisode 5. Je me demande bien qui c'est. J'irai voir ça ce soir, je pense, tranquillou. Une longue journée de grandouille et de montage vidéo. Ok, la classique quoi. Ni plus ni moins. Bon, du coup, on continue la colère des druides de notre côté. Donc, on a des druides à traquer. Et pour le moment, on a aussi un roi à couronner. Et donc, on est en train de faire l'émission du roi pour le moment. Mais il faut que je pense quand même à continuer à trouver des indices pour les druides. Il y a très sûrement possible après ce live pour pouvoir commencer à prendre un bon rythme de croisière. Bah, tiens, tu parles de croisière. J'y suis actuellement. Hein. Bon, sur un dracar, je pense que c'est pas le plus pratique, mais bon. Puis attaquer la vidéo du montage de lui-même. Ah. Intéressant, ça m'intéresse un peu plus étonnamment là. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'aurais dû mettre la voile en fait, je suis un peu un connard. Ça doit être sympa quand même. Ah, j'ai jamais monté dans un dracar. Ça va pas être très différent d'un bateau classique, je pense, en vrai de vrai. Ça va peut-être plus vite. Vu que c'est moins grand. Je pense que ça doit aller plus vite. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais bon, on va. Peut-être un jour, hein, qui sait. Je sais pas si ça se fait encore beaucoup les dracars. En vrai, je sais pas. Enfin, bref. Il faut aussi que je travaille pour que je trouve l'indice pour le druide. Hein. C'est dans ce territoire-là, donc il faut que je cherche. Et ça a plus de prestance qu'une petite chaloupe. Oui, ça c'est sûr, ça c'est clair. Ça par contre, effectivement, il n'y a pas de débat là-dessus. Hein.
moi je vais laisser mon navire ici. La voile, c'est trop risqué. Je m'arrête, combattez-le. Ok. Est-ce que j'ai déjà débloqué le territoire ou pas? Pour l'instant, j'ai pas grand chose. Hein. Comme je me souviens bien, donc pour le druide là, le cerf. Examiner le comptoir marchand. Bah, j'y vais, je crois. Ça doit être ce comptoir marchand là, je pense. Ou alors sinon, c'est l'autre. Il y en a que deux dans le coin, donc. On va fouiller les deux comptoirs marchands. Pour trouver les indices sur le druide. Et on continue tranquillou la quête principale. Donc je sais pas encore pour combien de temps on a pour la colère des druides. Mais bon, on prendra le temps qu'il faudra. Hein. Et la semaine prochaine, bonne nouvelle pour ceux qui adorent Origin. I'm back pour le deuxième DLC, ça y est. Là, demain, vous aurez l'avant-dernier épisode du premier DLC. Et donc du coup, dès la semaine prochaine, on attaque la malédiction des momies. Alors soyez prêts, hein. Et ensuite, je vous sortirai évidemment tout le Discovery Tour d'Origin. Et j'espère que vous apprendrez des choses comme j'ai pu en apprendre. Parce que franchement, c'est des choses très sympas. Notamment, comment lire les hiéroglyphes. C'est tout con, mais c'est vrai qu'il y a une technique particulière. Et on fera également le Discovery Tour de ce Valhalla. Hein. Mais bon, pour cela, il faut finir Valhalla. Et finir ce jeu un jour peut-être. Non, parce que là, à ce niveau-là... Ah, c'est qui m'emmerde. Ils m'ont pas emmerdé longtemps, eux. Yo ? Ils m'ont fait chier, hein. Donc c'est bon. Oh, t'as le Discovery Tour, trop bien ça. C'est presque le truc qui m'intéresse dans Assassin's Creed récent qui le propose. Et ben sache, Meta, que je sortirai tout le Discovery Tour d'Origin quand j'aurai fini le deuxième DLC, la malédiction des pharaons. Donc, parce que tout est sur mon disque dur actuellement. Donc je l'ai fini il y a quoi, il y a deux semaines. Ça dépendra de la durée du DLC, surtout si j'arrive à aller plus loin que la première fois. Parce que théoriquement, la première fois que j'ai joué à Origin, j'ai pas pu finir le deuxième DLC parce que je suis tombé face à au premier boss qui m'a fait t'es pas prêt. Et je lui ai fait je suis pas prêt. Donc j'espère que j'aurai pas ce problème là dans le deuxième. Sinon, ouais, d'ici peut-être mi-décembre. Alors, je fixe une date assez large, hein, par contre. Hein. Il se peut que ça soit plus loin que ça, ou plus court que ça. Ça dépendra de la vitesse à laquelle je ferai le DLC. Donc, ça dépendra aussi de la durée de mes lives et compagnie, hein, forcément. Si je fais des lives longs, ça aidera forcément si je fais des lives d'une heure à chaque fois. Oh, salut. C'est pas toi que je voulais, mais c'est pas grave. Oh bah esquive. Thank you.
Yo. Ah, les rats, c'est beaucoup trop fort. On m'a eu. Et où le dernier? Oh la vache, mais reviens! C'est fait. Un comptoir de plus de réparer. Est-ce que c'est dans celui-là qu'on a l'indice pour le druide? Ou est-ce que c'est dans l'autre? Tac, tac, tac. Alors, on va reprendre la fiche du druide. Ordre. Le cerf. Le comptoir marchand d'Armet. C'est pas celui-là, je crois. Je crois que c'est l'autre. Ah, ah. Non, c'est pas celui-là. Ah, merde. Ça doit être l'autre. Bon, bah, tant pis. L'indice pour le druide est pas sur notre chemin. Donc, du coup, bah, go la quête, hein. Mais avant, le point d'observation. Il est où, ce point? Ah, oh, ça doit être le pic tout là-haut, là-haut, putain. Donc voilà, donc du coup, voilà, Meta, le Discovery Tour sera disponible d'ici la fin d'année, début d'année prochaine. Ça sera tous les vendredis, ça changera pas. Et c'est des épisodes entre 25 et 30 minutes. J'ai rarement dépassé la demi-heure. Et il y a du bon monde pour me faire la visite, hein. C'est une bonne visite guidée. Mais honnêtement, c'est vraiment une innovation que j'ai beaucoup appréciée. Et je ferai aussi celui sur Odyssée en parallèle, hein. Oui, oui, bah c'est mes durées classiques de let's play, hein, Meta. Hein. Je dépasse rarement, enfin, ça m'arrive de dépasser la demi-heure, mais c'est vraiment parce que je suis à la conclusion. Et que je vais en finir. Par exemple, là, le dernier épisode d'Origin, du premier DLC, il est à 43 minutes.
Mais c'est parce que c'est la conclusion. Mais que j'allais pas arrêter au bout de 30 minutes, alors que je savais que derrière, j'en avais pas de quoi faire un nouvel épisode, tu vois. Du coup, à la semaine prochaine. Alors, je sais pas précisément quand, mais d'ici la semaine prochaine, Origin. Hein. Et ensuite, je pourrais supprimer le jeu de ma console parce que j'aurais tout fait dessus. Le point d'observation est fait. Donc on découvre des trucs sur la map. D'accord, une abbaye là-haut. Mais moi, ce que je veux, c'est la quête. Et je pense que je vais me téléporter à mon navire parce que c'est à côté. Bon, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup, mais bon, il y avait des trucs à faire, donc c'est sur le chemin, on est en train de faire ces petites quêtes, un peu annexes. Là, je crois qu'on va devoir négocier avec tous les rois, et si ça marche pas, on est bon reparti pour un siège. À nouveau. Et puis, traquer tous les druides, et puis voilà. Enfin, je pense à faire un petit tour de la map hors caméra quand j'ai un moment aussi pour peut-être commencer à récupérer un peu toutes les richesses et les mystères et artefacts pour voir s'il y aura des quêtes secondaires à faire en annexe comme j'ai fait avec le siège de Paris. C'est-à-dire peut-être des let's play de conclusion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que la colère des druides sera finie, il restera plus grand-chose à faire. Donc ça veut dire que pour Valhalla, on sera en pause au moins jusqu'au troisième DLC. Bon, moi j'aurais pas mal de trucs à faire hors caméra, mais ce sera du hors caméra. Ça nous laissera un peu de champ libre pour pouvoir continuer Horizon, du coup en live, je pense. Horizon, Origin, et puis. Puis ensuite, est-ce qu'on n'attaquerait pas le Révélation? Ou est-ce que je fais une pause de cette licence de jeu pour me concentrer sur 2K22, le mode carrière et sur Horizon 2? Je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, on n'est pas encore à la fin d'année. On va finir tous les programmes, parce que c'est toujours chiant de laisser les programmes en cours. Et on en reparlera au moins quand le troisième DLC arrivera. Hein. Qui on sera suivi du quatrième DLC. Ils avaient des idées, je pense, pour ce vol-là. Hein. Ah, il y a un livre du savoir. Il est où ? Bah par contre le livre du savoir, par contre je voudrais bien l'avoir. Par où il faudrait que je rentre? Aide-moi, deviens mes yeux. Parce que qui dit livre du savoir dit potentiellement une nouvelle capacité. Et dans ce jeu, vu qu'ils ont complètement craqué, on va pouvoir avoir un alligator de compagnie. Je m'attends bien. Ouais, parce que méta, si toi t'es pas au courant, il faut savoir que. Tactique à la con. Faut savoir qu'en fait, je peux avoir littéralement un chien-loup de compagnie. Par contre, tu peux pas descendre là, Ivor? Ah, si, j'ai eu peur. Et tu l'appelles Wally? Wally Walou? Non, je sais pas, je vais pas donner de nom. Faut que j'aille donner des noms à mes rats. J'aurais bien les appeler efficaces, mais c'est un peu vis repetita en fait. Ou alors bouffe tout. Mais je suis pas sûr que ça leur convienne. Non, Walligator. Ouais, t'es resté sur l'alligator, ok, je vois. Walligator. Ouais. C'est pas mal. Walligator, putain, merde. Ouais, un petit alligator de combat, de compagnie, j'aimerais bien. Non, pour un loup Amaterasu, évidemment. Oh, dis donc, j'aurais pas deviné celle-là. Amaterasu, intéressant.
Moi, par contre, c'est où pour trouver ce putain de livre du savoir là? En vrai de vrai. Ce qu'il y a plus loin. Moi, je pense que je vais la récupérer un peu plus tard, mais il me le faut. Hein. Et Okikirumi, si c'est un mal, bien sûr. Okikirumi, quoi? À vos souhaits, à tes souhaits, Meta. La grippe, hein, faire gaffe. Hein. En plus, en plein hiver. Tu me flattes, Seigneur. Et que se passe-t-il? Où est Barid? Il n'est pas revenu. Et les deux messagers dépêchés non plus. Ce n'est pas un simple hasard. Je soupçonne là une malveillance. Laisse-moi y aller, Seigneur. S'il est vivant, je le trouverai. Malgré ton talent pour la ruse, ce ne sera pas chose facile. Il te faudrait un sauf-conduit royal et bien peu de vikings en possèdent. Certains de Donegal en possèdent. Donegal? Colonie d'hommes du Nord? Un port sur la côte ouest. Ses habitants commercent beaucoup avec Elak. Donc quelqu'un aura nécessairement un sauf-conduit. Et ce port est bien gardé? Ceux du Nord qui y vivent ont laissé le succès les ramollir. Ils ne s'attendront pas à une attaque viking. Bien. Je vais me rendre à Donegal et me procurer un de ces sauf-conduits. Avec ta permission, Seigneur. Si cela peut éviter les morts, tu as ma bénédiction. Qui parlait d'un pillage, là? En bon uniforme? Je pense qu'on est parti pour, hein. Bon, je l'entends, mais je vois pas où est ce putain de livre du savoir. Il y a pas une entrée que j'ai oubliée, ou... C'est chiant, ça. C'est chiant. Tac, tac, tac. Bon, je devrais trouver une entrée à la con. Voir, bon, je suis un connard, mais je fais pas gaffe. L'homme loup bleu dans Okami. Rololo. Eh, oh, 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 rololo, rololo, hein. Alors, je vois les trucs explosifs, mais... Ah, putain, je suis un connard. Je l'entends, c'est assez drôle en parlant d'un bouquin. Ben, tu vas voir. Si c'est bien là, hein. Ça va être là. Et là, t'entends rien, peut-être. Alors? Hein, Meta? Oh, merde, non, c'est la flèche à bombe fumigène 2, je crois. J'ai même pas installé ce truc. Ça doit être plutôt efficace. Ça l'est pas autant que les rats, hein, mais... Aptitude. Ouais, c'est la deuxième capacité. Flèche à bombe fumigène. Est-ce que je la mettrai quand même pas? Ça, on aura l'occasion de la tester pour voir si c'est efficace ou pas. C'est bon, j'ai mon livre du savoir. Le reste, on ira le récupérer plus tard. Alors, c'est où? Ah bah, c'est le monastère que je voulais piller tout à l'heure. Ok, bah, on va se TP là. C'est le plus proche. Et on va aller s'en occuper. Pillage de monastère en règle. La classique. On va faire un peu de dégâts. Comme ça, on va récupérer quelques richesses au passage. Bon, après, ça m'éloigne de mon indice sur le druide, par contre. Hein. Je sais pas à quel moment je vais pouvoir aller le récupérer, ce putain d'indice. Hein. Putain, j'ai oublié de faire le point d'observation. Non, il y avait un point d'observation dans la ville? J'ai pas fait gaffe. Si c'est le cas, j'ai complètement oublié. Hein. Bon, c'est pas grave. Tant qu'on en a au moins un ou deux pas trop loin, ça va. Après, ça va, la map de l'Irlande est moins... J'ai l'impression qu'elle est quand même moins casse-couille que celle de Paris. Hein. Après, c'est peut-être qu'une impression. Bon, bah, on va aller piller ce monastère que j'aurais dû piller un petit moment déjà.
L'arc-en-ciel est toujours là. Je me demande s'il reste pas en vrai. Si on se mettait un récit. Voici une histoire datant de ma jeunesse, qui n'a ni morale, ni message à retenir. Mon père aimait souvent m'emmener chasser dans les terres boisées à l'est d'Avalsnes. J'aimais beaucoup ces moments où j'étais seul. Je n'avais encore jamais tué de gibier, et mon père vit que cela me peinait. Je n'étais qu'un enfant, mais je rêvais d'être un homme. Alors, un hiver, mon père me demanda d'accomplir un rite de marchandage au profit de la déesse Skadi. Afin de mieux répondre à et sa vision sur la terre. Le cœur empli de joie, j'attrapai un lièvre. Je le sacrifiai à la déesse, demandant en échange de mon offrande talent et vue pour mon père. Le rite effectué, mon père et moi partîmes en forêt. Nous chassâmes toute la journée, jusqu'à la tombée de la nuit. Mais nous restâmes bredouilles. Ce soir-là, autour du feu, je me sentis triste. Mon sacrifice n'avait pas été entendu. En me voyant, mon père se contenta de sourire. Si tu avais chassé, tu aurais tué six beaux cerfs, me dit-il. Car Skadi n'entend que ceux qui ne parlent pas. Ok, le récit était plutôt cool. C'est vrai que j'écoute pas assez les récits que propose mon équipage. Je préfère écouter les chants, mais bon. De temps en temps, ça peut être sympa. Sont devenus mous et gras. Profitez-en pendant que je cherche un sauve-conduit royal. Bah on va en profiter pour piller aussi, hein. Quitte à faire, on est là. Sauve-conduit, on pille un peu tout. C'est quoi le Goliath qui vient de me balancer un tonneau dans la gueule là, j'étais pas prêt. Oh putain. Putain la vache. Alors. Ah, j'ai sauve-conduit. Ceci me permettra de franchir les portes des lacs. Ouais, c'est pas pour autant. On termine le pillage quand même. J'ai besoin d'aide ici. Hé,
arriverai pas seul. Merde, j'ai plus de... Donc on a plus de capacité, hein. On prend les jarres explosifs. Juste pour ça ? Ça me paraît bizarre cette histoire. Il y a un morceau d'armure là-dedans, mais je sais pas comment l'atteindre. Je passerai bien par le toit, mais ils ont tout cramé. Peut-être par l'autre côté. Ah, je crois que j'étais presque. Ah, yes. Le brassard druidique, très bien. Eh ben c'est parfait tout ça. En règle, on est en 5 minutes de temps. Où sont les rois? On va se TP là-haut et on va y aller. Ah, les détours pour rien. Mais bon, ce monastère-là, il est fait. En tous les cas, on n'aura pas besoin d'y revenir. Je sais plus ce que c'est au niveau de la tenue des druides. Je suis en train de me poser comme question là. Faudrait que je regarde. Bon, c'est pas celle que je recherche, mais en vrai, j'aime bien celle que je porte actuellement, la tenue de moissonneur. Il y a un côté très spécial dans cette tenue. J'ai pas trouvé d'autre terme. Exactement. C'est pour ça que je dis ça.
Rencontrer les rois. Bon, allez, c'est parti, hein. Putain, 1h10 pour pouvoir préparer cette putain de mission, quand même, hein. Incroyable. Est-ce que je peux passer par là? Je peux. Parfait. 1h10, ça passe. Ouais, enfin, je trouve ça un peu long quand même pour une mission. Oh, allez vous faire foutre. Tiens, non, allez. Ah, le même de bâtard. Bon. Rond. Ouais, vas-y, mon chien. Voilà. Donc, on avait dit Eivor et le zoo, hein, le retour, hein. Vous n'avez qu'à pas me faire chier, eux, hein. Bon, je pense quand même que les rats sont plus forts que le chien, mais... J'ai l'impression que le chien reste quand même un peu plus longtemps que les rats, donc... Il y a un juste milieu. Ils ont une meilleure espérance de vie, faut dire. Comment ça, ça n'a pas de lien? C'est pas faux. Tu vas me laisser passer, toi? C'est impressionnant. Je demande ce qu'elle peut recevoir. Voyons comment il traite quelqu'un qui a un sauf-conduit. Mon sauf-conduit ne me permettra pas d'entrer. Je dois trouver un autre moyen. Votre sauf-conduit, monsieur. J'ai des rats. Ok, passez. Qu'est-ce qui t'amène ici? Des affaires royales. Voilà mon sauf-conduit. Très bien, passe. Merci. Qui es-tu pour te présenter au roi des lacs sans t'être fait annoncer? Fergal? Tu n'es pas Fergal. Je ne te connais pas. Je suis Sturm, de Donegal. Qui est ce Fergal? Le roi de Dublin veut parler d'un cousin qui nous a conseillé quelque temps. Un chevrier qui aurait mieux fait de suivre nos conseils. Dis-moi, Sturm, qu'est-ce qui amène ici un viking de Donegal? Dis-le-moi, je suis là sur ton invitation. Il y a erreur, je n'ai jamais envoyé un tel message. Ce n'est pas moi. Peut-être est-ce... tu sais qui? Mais il déteste les vikings. Pardonne le ton cassant de mon frère. Nous découvrirons ce qu'il en est. J'en fais le serment. Puis-je t'offrir à boire? Oui? Encore à boire? Depuis mon arrivée, je n'ai pas vu le fond de ma coupe. Si j'étais moins débonnaire, je me demanderais si on ne cherche pas à me garder ivre. Pas pour moi. Je reviendrai lorsque vous aurez terminé vos entretiens royaux. Si tu n'as pas envie de boire, je t'invite à visiter le fort circulaire. Il est renommé dans toute la contrée. Comme nous te l'avons dit, et maintes fois, roi Baride, le fort circulaire des lacs n'est pas ouvert aux visiteurs. On peut même dire que son accès est réservé à quelques privilégiés. Ah,
c'est là que vous gardez vos prisonniers. Détendez-vous et buvez donc, tous les deux. Vous croyez que je n'ai jamais pris d'otage, moi aussi? Je vais aller me balader. Tâchez de vous rappeler pourquoi vous m'avez mandé. Oui, bien sûr, bien sûr. Ton sauf-conduit te permet de te déplacer librement. Ah, et si tu vois Fergal, salue-le bien pour moi. Pour la dernière fois, Barid, nul ne se rend au fort circulaire. Hein, bah moi je vais y aller, hein. Ça ressemblait à une belle invitation, tout ça. Si j'ai bien compris, Barid, la libération de Fergal est la clé de celle des lacs. Et pour cela, il faut que j'entre dans ce fort. L'accès à cet endroit est interdit. Sauf si on a... des rats. Oh, c'est déjà fini. Oh putain. Il a le temps de me balancer une grosse bastos dans la gueule quand même, hein. C'est complètement débile. Ok, un nouveau morceau d'armure à récupérer. De la prison, parfait. Cette thermine ne n'a plus pour longtemps. Ah merde, non, mon chien n'est pas popé au bon endroit. Ah, fait chier. Personne ne m'échappe. On va venger Lady Bombrosa. Très bien. Ça, c'est un piège à con, ça. Oh, mais oui. Oh, mais bien sûr. Merci le jeu. Vous avez vu le bug? Incroyable. Il vous cachait les trucs, ce soldat, je crois. Hein. Bon, du coup, mon chien, je l'ai activé pour rien. C'est pas grave.
Moi, bon, c'est toujours pas vidé là. Si, c'est bon, le camp est vidé quand même à un moment donné. J'espère que c'est bien la bonne clé. Y a-t-il quelqu'un ici du nom de Fergal ? Oui, c'est moi. Qu'il demande, Viking ? Je sers Varid Makimer et le roi Flamsina. Il t'offre la liberté. Peu de gens font preuve d'une telle bonté. Merci. On va libérer tout le monde, hein. Quelle bonté. Merci beaucoup. Mais mort. Quelle gentillesse. Merci, mon ami. Non, attends, faut que je termine de venger Lady Ambrosa. C'est bon. Ça fait peur, toi. Toi, par contre, je t'ai vu venir. Où est le morceau Ah, ok, j'ai compris le truc. Il est où le truc ? Est-ce que c'est celui-là là-haut ? Ça fait un peu loin ? On va essayer. Non, c'est pas celui-là, je crois pas. Comment je vais faire pour ouvrir cette foutue porte ? Vous me coincez, les mecs. Bon. Je pense qu'on verra ça plus tard. S'emparer de la prison, c'est fait. Ah non, j'ai pas, il en reste encore un. Ok. Le toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Il est où ? Alors, prendre le contrôle. Eh ben, c'est parti. Merde. Je les ai tués. Mais non, mais c'est des chips. Mais non, mais c'est incroyable.
Bon. Ils n'ont pas survécu à une chute de hauteur. Bah, c'est comme ça, je vais prendre la ville tout seul. Merde, putain. Je savais pas, moi. Incroyable. Messieurs, dames, je vous présente les rats. Ce sont vos nouveaux amis. Pas de peau. Ouais, bah pour le coup... Oh! Ta gueule. Je parle pas à toi, hein, Saint-Bernard. Hein. Bon, c'était facile. Non mais sérieusement, qui a dit que c'était compliqué de prendre une ville quand t'as Excalibur dans une main, Mjolnir de l'autre et une armée de rats à ton service qui one-shot quasiment tous les soldats. Moi je pense que c'est beaucoup plus difficile, hein. J'aurais pas aimé me prendre un ta gueule gratos comme ça à ta place. Ouais, à l'habitude. Il y a l'habitude de Saint-Bernard. D'ailleurs, Saint-Bernard, ta gueule. Voilà, tu vois, c'est simple. De l'autorité, nom de Dieu. Joins-toi à nous, mon cousin. Nous passons un excellent moment, les rois et moi. Mais c'est l'abbé qui a transformé ce lieu en prison. Il prend des otages dans chacune des familles. Il veut contrôler toute l'Irlande. Ferme-la donc, Domnall. Et Hogan va te faire tuer si tu parles trop. Et Flan nous tuera si nous nous taisons. Comme Domnall le disait, c'est Hogan. Il dit de retarder ceux qui viendraient jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que l'abbé puisse amener ses forces. Combien d'hommes? Combien? Mais nous l'ignorons. Personne ne le sait. Il a des troupes à Armagh, plus qu'il ne veut bien le dire. C'est tout ce que je sais. Mon cousin ne laisserait de vous que des flaques de sang et de boyaux. Mais le roi Flan tient à vous épargner. Vous serez traité en otage, non en prisonnier, jusqu'à ce que votre roi décide de votre sort. Alors, méditez sur vos fautes. Le plus simple sera de les laisser conserver leur couronne. Mais mieux vaut qu'ils l'ignorent pour l'instant. Il faut aviser Flan de ce piège. J'ai déjà dépêché des messagers pour lui dire de replier son armée. Je n'allais quand même pas rester assis à t'attendre. Je suis impressionné. Oh, il n'y a pas de quoi. Il a suffi de boire ce petit lait pendant des jours jusqu'à ce que Neil devienne négligent. Tu t'es surpassé. Je ne manquerai pas de dire au roi qui est le héros du jour. Tu as fait ta part, mon cousin. Veille à ce que le message parvienne à Flan. Je vous rejoindrai plus tard. Que Sol et Mani te guident. Le masque de la diplomatie. Ok. Il n'a même pas dit qu'elle allait faire tout noir. Ta gueule. Ok, ok. Alors, du coup, on en est où au niveau des quêtes? Donc, pour l'instant, ça change pas grand-chose. On a juste fait une putain de quête. Certes longue, mais une. On va level up. J'ai deux points d'aptitude. J'en avais deux, je crois. J'en avais deux. Tac, toc, 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 toc. Bon, on va rendre compte à Flan, du coup. Et ensuite, il faudra quand même que je me rende là pour l'indice sur le druide. Hein.
mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Bon, ouais, c'est parti, c'est parti, c'est parti, on va continuer. J'espère quand même qu'on pourra au moins abattre un druide. Je pense que je vais m'imposer quand même ça. Jusqu'à la fin du colère des druides. M'imposer quand même au moins la mort d'un druide du culte. De Danu. Par live. Donc on a tué deux lors du dernier live. Là, je vais quand même m'en imposer au moins d'en rebuter ne serait-ce que un. Donc il faut quand même qu'on en traque un. Donc... on va rendre compte et après je pense qu'on va se concentrer sur c'est le chêne je crois. Non, le chêne c'est le grand boss ou la grande boss, je sais pas. Je sais plus lequel que c'est le nom de celui-là. C'est le cerf. Voilà. Enfin le ou la cerf parce que pour le moment tous les druides n'étaient que des femmes. Donc est-ce que ça va continuer comme ça, j'en sais rien. Mais d'abord, on va les rendre compte. Et ensuite, on s'occupera de ce druide. Et je pense que pour ce soir, ça sera déjà pas trop mal. Putain, j'ai l'impression que j'ai pas avancé. Hein. Oh, incroyable. Cette mission-là qui peut une heure... pour... bon, après, j'ai fait quelques petits détours. Hein. Parce que je me suis amusé à essayer de retrouver les masques, les livres du savoir et tout, mais... j'ai pas l'impression d'avoir autant dévié que ça. Et putain, la vache, quoi. Les joies du live, je pense. Allez. Qu'est-ce que vous allez faire de beau après le live, alors ? Dites-moi tout. Les temps de chargement. Tu as bien agi, Aelak. Nous mettrons en marche au matin. Tu auras le privilège de diriger ma garde d'honneur. Le message de Barid ne t'est pas parvenu? Tu dois replier tes forces, pas avancer. L'ennemi s'apprête à mettre en œuvre un vaste piège. Barid pense savoir ce que pensent ses rois. Mais l'église est enracinée et florissante depuis le règne de mon oncle. Mais c'est l'église qui est à l'origine de ce complot. Le message ne mentionnait pas l'abbé Eogan? Les rois Nil et Domnal ont simplement cherché à reporter la faute sur autrui. L'église était un bouc émissaire bien commode. Et si les soupçons de Barid étaient fondés? Eogan est l'abbé d'Armar, le représentant de Dieu en Irlande. Je ne douterai pas de lui à cause d'un ami. Tu veux dire d'un païen? Pourquoi êtes-vous encore ici? Mon message n'est-il pas arrivé? Si, mais il n'a pas convaincu le roi Flan. Tu dois te retirer de Clogger sur le champ, mon roi, avant d'être encerclé par l'armée d'Eogan. Je ne suis pas à tes ordres, Darin Macimer. S'il y avait une armée, mes éclaireurs... Tes éclaireurs sont morts, Flan, par le sang de Baldur. Combien devront périr à cause de ta méfiance? Tu oublies ton rang, Barid. N'invoque pas tes faux dieux en ma présence. Écoutez, qu'est-ce que c'est? Les loups d'Eogan sont arrivés. Je ne suis pas venu ici pour mourir dans une tente, mon roi. Nous sommes attaqués! En avant! Bon ben, le druide attendra. Je vais en tuer plus que toi, cousin. Ne compte pas trop là-dessus. Tu vas souffrir. Si nous tenons face à ton bateau, tout ira bien. Oh,
concernés. Attention aux archers! Ils viennent des prêts! Bah oui, ils sont nombreux, les mecs. Regardez des vidéos comme toujours. Ouais, ça change pas. Je vais probablement jouer un peu à MH et monter mon épisode 6 de Royal Card. Je sais pas en quel ordre. Je suis peut-être complètement con, mais t'as mais MH. Attends, c'est quoi MH? MH Monster. Ah, ok. J'étais en train de chercher, je l'avais pas. Je l'avais pas du tout. Bon bah on a survécu. Bon, par contre par un moment là le Mjolnir qui a littéralement couché 4-5 soldats d'un coup au plus grand des calmes là. En mode c'était magique ce truc. On les a repoussés. Mais à quel prix? Barid! Eivor! Tu m'entends? Oui Barid. Ha. Barid ma chimère! Guide-moi, Zenim. Il est près de l'arbre. Main glacée m'en serre le cœur. Merde. Bon, j'espère qu'on va pas perdre Barid quand même. Barid. Eivor. Je suis là. Une fin glorieuse, tu ne trouves pas? Peut-être même digne d'une saga. Toi qui trouvais que je me ramollissais. Nul n'apprécie ta vraie bravoure. Pas même toi, mon cousin. Tu doutais. Heureusement que j'étais trop idiot pour abandonner. Ton courage restera dans les mémoires, Marie. J'y verrai. Tiens fermement ton arme, cousin. Nous nous reverrons au Valhalla. Mon Valhalla, Eivor, c'est Siegfried. Le Valhalla n'est pas nécessairement un lieu. Ce peut être un héritage. Flan doit le soutenir.
Fais-le jurer sur son dieu. Les chrétiens ne redoutent rien tant que la colère de leur tout-puissant. Tu peux compter sur moi. Oui, je suis d'accord avec toi, Mita. Bon, quelle est la suite? Des funérailles de héros. Barid est devenu encore plus grand mort que vivant. Ou peut-être étions-nous trop petits pour apprécier sa taille. De dures paroles. Mais vrai. Il a vu plus clair que moi. Et j'ai ignoré son conseil. Et Hogan le paiera de sa vie. Et ensuite, lorsque le sort de l'abbé sera réglé et que tu tiendras le nord, que deviendra Siegfried? Tu lui accorderas ton appui royal? Dès qu'il aura fait ses preuves, il serait pour l'instant mal avisé politiquement de... Oh, troll ta politique! Paris des morts en te servant. Si c'est ainsi que tu récompenses la loyauté, tu seras vite tout seul. Tu m'as par deux fois imposé la vérité. Je vais le soutenir. Siegfried n'est pas prêt. Mais s'il reçoit les bons enseignements... Bien. Ta sagesse lui sera utile. Comme mon appui. Mais aucun trône ne sera sûr tant qu'Eogan sera en vie. Nous allons étouffer ce serpent. Et ensuite, le sort de cette contrée sera entre tes mains. Et celle de Siegfried. On prépare les chevaux, mon roi. Tu es certain de ne pas vouloir te reposer et partir à l'aube? J'ai l'esprit trop occupé pour dormir. Ma réputation et mon armée sont en jeu. La première en plus piteux état que la deuxième. Ma mère avait coutume de dire que Morrigan se nourrit de la mort des héros avant d'emplir les esprits des hommes de pensées guerrières. J'ai imaginé utiliser la pierre de Tara pour noyer son champ, à l'instar de l'évêque Patrick chassant les serpents d'Irlande. Il n'existe aucun pouvoir assez puissant pour cela. Même les dieux ne peuvent infléchir le sort. Le monde est destiné à périr dans la guerre. Ce n'était que le rêve d'une jeune fille, alors. Dis à Flan que je viendrai à lui après avoir dénoué avec Siegfried. Dis-le lui toi-même. Je ne vais nulle part. Les fruits de la guerre. Ok. Barid est devenu plus grand mort que vivant. Quel bâtard. Un peu, oui. C'est vrai que c'était un peu bâtard. Bon. Par contre, on verra ça lors... Il fallait dire... D'où elle parle de Morrigan, c'est pas nordique. J'ai oublié que t'es peut-être pas dans la partie nordique, justement. Non, je suis en Irlande, Meta. On est à Dublin, là, actuellement. Donc, effectivement, on est très très loin. Comme je l'avais précisé dans un ou deux lives, Eivor est l'assassin qui a le plus voyagé. Hein. Je sens mes forces revenir. Mais là, par contre, pour concernant la quête principale, je pense qu'on va la laisser de côté pour, cette, live, pour ce live-là. Moi, je vais surtout m'intéresser, du coup, à l'ordre. Et au moins on traquait un, comme je disais, donc il nous reste 2, 4, 7, 8 avec la chef sur 10. Donc du coup le comptoir marchand d'Armel. Donc il me semble que c'est le comptoir qui se trouve là-haut. Enfin je pense que ça doit être celui-là. L'endroit le plus proche pour me TP, ça serait presque limite prendre mon navire et traverser le lac. On va tâcher de trouver ce comptoir-là pour le temps qui nous reste.
Et on repartira en live la prochaine fois pour continuer tranquillou. Donc on a Siegfried à mettre sur le trône de Dublin. Et un abbé à faire tomber dans le prochain live du coup. Ainsi que évidemment les druides en parallèle. Hein. Bien sûr, trouver leur grand chef et arrêter leur plan. Ça va paraître un bon programme pour les 2-3 prochains lives. Donc les amis reviendront en live dimanche. Je pense que je ferai pas de live avant. Parce que du coup, samedi, pas possible. Ma journée est pleine. Demain soir... Si je live demain, ce sera peut-être plus du Horizon, je suis en train de me dire. En vrai, de vrai. Je pense pas si je liverai demain, je pense pas. Et donc, on va dimanche. Pardon. Ouais, ça sera pareil à mon plan, on fera ça dimanche. Bon allez, allons traquer un druide. De toute façon, là j'ai quasiment toute la map de déployer, donc du coup, peu importe où il est, la téléportation sera assez rapide. Bon, espérons que c'est ce comptoir là, parce que sinon ça va être chiant. Ah, les chevaux dans ce jeu. Ça recommence comme au début, ils sont incapables de monter les montagnes. Oui, c'est totalement logique. Hein. Normalement, un cheval ne monte pas une montagne. C'est juste que, bon... À un moment donné, hein, j'aimerais aller plus vite. C'est joli dans le coin, par contre. Petite cascade, là, on se met bien. Ça fait plaisir. Bon, moi j'aimerais bien retrouver ce serpent unique aussi là. Je sais pas où il est. Faudrait que je fasse un tour global de la map à un moment donné quand même. Hein. Pour voir vraiment où tout se situe. Allez, descends toi. Ah, j'ai trouvé un indice. Ah, c'est un homme, le cerf. Ça change. Thank you.
Je me sens bien. Yo. Alors, est-ce que le camp est vidé? Je crois pas. Ça, c'est le chien danois à la plage du Gobelun. Là, la mer l'a emporté. Je parie que le titre a coulé lui aussi. Ok, c'est pas ça que je cherche. Ah, ouais, mais du coup, je peux pas finir parce qu'il faut que j'aille faire l'autre truc. Ok, alors le membre de l'ordre, monsieur le cerf, où est-ce que tu es sur la carte? Ok. Bah écoute, je finis le comptoir et puis je m'occupe de toi. Il te faudrait un CTT, cheval tout terrain. J'approuve. La blague du CTT est approuvée. Bah les amis, on va juste terminer ces deux missions là. Tuer le cerf et s'occuper des commerces. Et ensuite, ça sera très bien pour ce soir. On aura un petit peu avancé. On aura tué un druide. Et on aura vu la mort du Kouz. En vrai, on n'est plus très loin de finir. Je suis en train de me dire quand même, en vrai de vrai, là. Parce qu'il me semble que tous les trucs de commerce, c'est le dernier, je crois, de mémoire. Bon, les druides, ça dépend. Ça peut être long comme ça peut être rapide. Ça dépend si tu trouves vite tes indices ou non. Qu'est-ce que tu vois? Oh putain, c'est où ce titre de propriété, mon menu là? Ah, le titre de propriété, c'est bon. Oui, qui c'est qui me dérange? Twitter. Ok, c'est pas très important. Réparer le comptoir, tuer le cerf et fin du live. Voilà, ça me paraît bon programme. Enfin, avant qu'on mette un terme au live, il faudra quand même que je regarde. Mine de rien, malgré tout, les autres indices pour récupérer les. Pour tuer les autres druides.
encore une de ces fontaines. Bon, on peut faire l'hôtel, je vais y aller. Je vais la faire tout de suite. Level up. Je vais mettre un double level up, je pense. Parce que je suis plus très loin de... Ok. J'aurais pu crever là-dessus. Je m'attendais à du bot de foin en dessous, même pas. Bande d'enculé. En même temps, je peux comprendre, hein. Avec toutes ces licences de jeu, le foin doit commencer un peu à se faire rare, hein. Le tas de feuilles aussi, hein. Non, j'avoue, là, par contre, j'ai vu un arbre en position pour un saut de la foi. Puis résultat des courses que dalle. J'étais en mode, ok. Heureusement que j'en suis à un level où les chutes de hauteur, ça va, ça me fait quand même moins mal. Parce que sinon, putain. Moi, le saut de la foi porte bien son nom cette fois. Oui. Il faut en temps saut. Mais dire qu'il y en a qui le font pour de vrai. Je sais pas comment ils font, mais... Respect à eux. Est-ce que j'ai tous les comptoirs ? Et on disait level up. Alors deux, tac, tac. Ah non, non, il m'en reste encore deux là. Bon, on ira les récupérer une prochaine fois, hein, tranquillou. Putain, tout ce qu'il me reste encore à faire en vrai. J'ai même pas encore regardé toute la map. Putain, c'est pas fini. Bon, allez. Respect correspond à l'idée de faire un saut de la foi, en vrai. Oh. Bah, si c'est sécurisé, après, why not? En vrai, de vrai. Faut que ce soit sécurisé, hein. Si ça l'est pas, c'est sûr que c'est très vite dangereux. Après, bon, c'est eux qui assument, hein. C'est eux qui assument. Allez, le cerf. Les indices, le level up. Et puis voilà. Bon, moi, je vais quand même essayer, hors caméra avant dimanche, de quand même essayer de faire un petit tour. Commencer peut-être à récupérer quelques richesses. Faire quelques mystères et... Le jeu m'a vraiment bugué à la gueule, là. Seul le son du micro est diffusé. Est-ce que je suis toujours en live ? Voilà, là, vient de me...